Yo 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 tout le monde, c'est Louchka et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 7 pour le 8ème épisode. Donc on a quand même pas mal avancé depuis le début de l'aventure sur ce jeu que je trouve d'ailleurs pas mal du tout. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a récupéré l'arme qui se trouvait dans le bureau du capitaine. Donc maintenant ça y est, je l'ai, ma petite mitraillette. J'ai déjà plus de place. Donc là je rappelle que je joue avec le personnage de Mia. Du coup, je vais quand même mettre quelques trucs. Ça va pas me servir. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Dans son coffre, il n'y a pratiquement rien. Donc, voilà. Je me rappelle donc que j'avais vu une vidéo où on voyait. Alors, attendez. J'ai le couteau, ça c'est bien. Où on voyait Ethan coincé dans une sorte de substance au deuxième étage. Donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller voir, forcément. Parce que je pense que le but c'est quand même d'aller le sauver. Donc ben c'est parti, hein. on va pas rester 10 ans ici. Par contre, donc là-haut c'était des trucs que j'avais récupérés. Allez, saute. Bon, Ethan. Mon petit Ethan. Où es-tu, mon amour? Bon, je sais plus quel étage je suis là. Je suis au deuxième. Je suis au deuxième, mais. Sur la vidéo, ils disent le deuxième, mais je trouve pas. Son cadavre. Enfin, son cadavre, son corps. Patati patata, je vais essayer. Non, je vais pas faire ça. T'es con, toi. On va aller là, je me rappelle plus de ce qu'il y a là-bas. Ok, tu joues. Ok, je pense savoir ce que je peux faire. Y'a pas de souci, vous voulez venir écouter à mon arme? Y'a aucun souci, y'en a pour tout le monde. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le fusible. Et je vais retourner directement dans l'ascenseur et poser le fusible dans l'ascenseur. Peut-être que ça va le refaire fonctionner. Espérons-le. Monter, monter, voilà. On va monter, on va remettre tout ça. Parce qu'en plus il faut un autre truc. Il manque un câble. Ah, du coup il manque un câble. Et dans ce cas là, où est le câble? C'est ça que j'ai envie de te dire. Où est ce câble? On va chercher le câble. On va trouver les amis. C'est quoi ça? J'ai trouvé le câble. Mais je suis pas bien là. Ok, d'accord. Oh mais merde. Alors, allez. Le câble. On a trouvé le câble. Voilà, du coup. Je vais foutre le câble. Et voilà. C'est pas nickel ça?
c'est moi là. Tout ça pour me mettre ici. Non, mais moi je vais aller ailleurs là du coup. C'est peut-être le S2. Je me trompe peut-être, hein. Je sais que c'est un des. Il attend. Ok. Donc ça doit être ici. Sinon je repente. On va s'occuper de lui plus tard. Ah ! On fait peur ce con. Une bombe mitraillette, ça c'est bon. Ethan, Ethan, où es-tu? Et ouais mec, et ouais mec, quand tu me fais pas chier. Oui, donnez-moi des munitions. Oh. S'il y a des munitions en pagaille, c'est qu'il y a un problème là. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un truc là. Je le sens. Ouais, c'est pas normal que j'ai autant de munitions d'un coup là. Il va se passer quelque chose. Mais toi t'es marrant, tu viens comme ça, tu me dis pas bonjour, tu m'attaques. Je croyais quand même pas que j'allais Oh putain. Oh putain, je vais essayer un truc. Ah non, bah je vais pas l'essayer là. Mais non, il bouge. Non, qu'est-ce que tu fais toi? Alors? Hein? Oh mais merde, j'oublie à chaque fois qu'il me lance un truc dégueulasse. Elles en donnent des munitions. Pas bon ça. C'est pas bon ça. Coucou! C'est moi, je suis rentré! Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Ethan! Ethan! Oula! Ethan! Ethan! Et je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur.
Ni Marguerite, ni mon fils Lucas. Zoé non plus, évidemment. Cette fille, Evelyne, c'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. C'est comme tu ça. Tu parles d'un don, ouais. Je l'ai trouvé près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle? Non. Pas exactement, fiston. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie de... Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne. Écoute. La petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. T'inquiète. Ethan. Oui. Libère ma famille. D'accord. Je t'en supplie. Ok, d'accord, ça marche. Merci, salut. Mais je suis attaché aussi, là. Evelyne, éloigne-toi de lui. Pourquoi? Il ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Ne lui fais pas de mal. Idiote, je te l'ai dit, je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça ou... Ou quoi? Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? Je veux que d'elle. Ah bah d'accord. Aide-moi chérie. Mia. Mia, comment? On n'a pas le temps. Tu dois sortir d'ici et la retrouver. Tiens, prends ça. Mais non. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te sauve la vie. Tu dois y aller. Je ne pourrais pas résister beaucoup plus longtemps. Non. Maintenant, va tuer cette petite garce. Non. Non. Quoi? Mia. Non. Je l'ai décontaminée pour qu'elle soit recontaminée. Non mais... Oula, Zoé, j'aurais pu la sauver. J'ai plus mes armes. Wouhou. Ok, petite conne. Où tu te caches? Ok, petite conne. Ok, petite conne. Ok, petite conne, hein. Toi, tu la traites alors que t'as pas une arme sur toi. Ok, petite conne. Tu te caches où? Tout est de sa faute. Mais non, dis pas ça. Je veux pas être, ta mère, c'est pas grave, hein. Ouh là, on ressort. On est dehors? On est dehors. Ok, on est reparti. Allez, ça rigole plus là. Oula. Eh ben, on peut résister longtemps avec moi, je te le dis. Ouais,
C'est bon. Alors, c'est qui les... Les chicots, la bande de cons. Ça, c'est bon, les mitraillettes. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Des plantes. Ok, c'est parti. J'aurais peut-être dû prendre les bombes. Là, on est dans la mine, je pense. Pouh! Qu'est-ce qu'il y a, putain? Qu'est-ce qu'il y a? Les pièges maintenant, ça me connaît. Mais non, cassez-vous. Allez, putain, c'est à la fin du jeu que je commence à m'en sortir avec l'arme, moi, avec le pistolet. Au début, je faisais que m'abaisser, je faisais des drôles de trucs avec. Là, ça va. Là, on va garder la mitraillette pour après. Si je peux m'en sortir avec le pistolet pour l'instant, c'est bien. Allez, là, je sais jamais où aller dans ces trucs comme ça. Passer par là vite fait. Des bombes. Ah non, j'ai plus de place. Voilà, comme ça je récupère des bombes. Oh putain! Plutôt chiant, hein. Allez, mais casse-toi. Ah, je recommence. Genre, ils sont pas morts. Ils sont plus résistants qu'avant. Ça se voit, ils sont plus résistants qu'avant. Ils sont largement plus résistants qu'avant. Ouais. C'est quoi ça? Voilà. Putain, que des barbares.
Ok, donc ça c'est le petit. Peut-être que le sérum il va là-dedans. Ok, je crois que j'ai un remède. Je pense que j'ai un remède. J'ai plus de grenades incendiaires, mon gros. Ah si, je peux sauvegarder ici. Ok, ça je le recharge. C'est parti. Ah. Ça a l'air d'être bon. Ah, je vais pouvoir prendre des grenades. J'ai pas mal de bombes. Encore en stock, je pense. Ouais, ouais, ça c'est bon, ça. On va sauvegarder. Donc c'est parti, hop, ça c'est bon, j'ai tout fait ce qu'il fallait, on part. On va voir ce qu'il y a là-bas au bout. Je peux pas y accéder. On va descendre. Ok, c'est parti. Pas prendre ça, tant pis, j'ai plus de place. Allez, je sais pas où ça nous emmène, mais en tout cas, la petite, c'est sa maison ou quoi ça? J'aime pas ça. Entendu. Oh putain! Quel connard! Meurs. Putain! Mourir, moi. Elle est malade, elle. Oh, et merde. Ouh, ça commence à devenir chaud là. Allez.
Putain, je te jure, son... C'est de pire en pire, là. C'est de pire en pire. Allez, il me faut de la vie là. Allez, cassez-vous. Putain, je te le jure. Comment je fais pour passer là? Je passe là direct. Ok, pas de soucis. Non mais non! Casse-toi! Oh mais non! Casse-toi! Non, 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 je veux pas mourir! Putain de merci. Ah, je me casse. Il est mort ou pas? Non. Allez, putain, j'ai crevé. J'ai crevé. Oh mais merde hein. J'ai crevé. Oh putain, j'ai eu la chatte. Allez, un petit truc en plus. Putain. Putain, c'est quoi ce bordel quoi? Ok, d'accord, comme ça c'est bon. Ok, on repart. On se casse de là. Ah, et là on se retrouve dans la cave. On se retrouve dans la case de la maison. Putain, j'ai eu peur. Non. Oui, ça je m'en rappelle. Elle est plus là. Je m'en rappelle, elle a disparu.
E001, je crois que ça c'était le nom du sujet. Et là on remonte. On remonte ici. Ok. Ça sonne pas. Vas-y, raccroche. Oui, ça c'est moi qui l'a tué. Qu'est-ce? Tout est de ta faute. Ouais, et alors? Pourquoi je vois tout ça? Oh putain, ah oui. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas me blesser. Tue-le, maman. Mais t'aurais pas dû faire ça! Ça fait putain de mal! Il ne veut pas être mon père. Eh bien, qu'il meure. Maintenant, c'est au tour de maman de te tuer. C'est ça, ouais. Tu vas devenir l'un d'entre nous. Ouais. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Oui. Je ne joue pas. Non! Éloigne ça de moi! Ça le veut, elle! Il me tue vraiment? Mais. C'est du faux, c'est du faux ou c'est du vrai? Rentre chez toi! C'est du faux! C'était du faux, j'ai tiré pour rien. Oula, elle me fait peur, elle! Elle est putain de grande maintenant, cette poupée! Non, 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 non. Alors, hein? Ah si, si, je vais faire ça. Bien sûr que je vais le faire. Bien sûr que je vais faire ça. Allez, avance-toi aussi, connard. Mais allez, avance. Allez, on y va. Arrête. Non. Injecte-lui. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste? Quoi? Ça fait mal! Ça fait mal! Ouais, ah, tu m'étonnes. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être pas dû l'injecter dans cette tête, hein. C'est quoi ça? Je crois que je vais prendre autre chose.
elle est moche en plus. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Quoi? Tu n'es qu'un petit garçon. Oh mais... Ah ouais, mais comment tu veux que je la tue? Mais non! Prends ton arme, prends ton arme, prends ton arme. Prends ton arme. Mais prends ton arme, je te dis. Mais, putain, mais comment vous... Je me tire dans la jambe là. Oh la chute. Ouh là 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 là, attends. Utilise ça. Utilise quoi? C'est quoi ça? C'est l'heure d'aller au lit. Alors, hein? Espèce de taré, va. Espèce de folle. Du coup, est-ce que c'était le boss final, ça? Ah, la civilisation, merci les amis. Non, descends pas toi, mais descendez pas. Vous venez m'aider ou... J'ai pas l'impression que vous venez m'aider là. Si. Mon nom est Redfield. Content de vous avoir trouvé. Pourquoi vous avez mis tout ce temps? C'était un sacré boss, hein. Bon, ça va pas trop chaud quand même. Ethan? Mia, tu es vivante. On a réussi. Vraiment? Oh, c'est une fin qui finit bien. On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue. Mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Et Baker l'était aussi. C'est cette chose, Evelyne, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, Evelyne n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia. Mais elle est de retour. Elle veut qu'on recommence à zéro, qu'on tire un trait sur tout ça. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. Wouh! Yeah les gars! Ah putain! J'ai terminé le jeu! Non?
sais, j'ai terminé le jeu. Elle tue cette musique. Yeah, pas mal les gars, on a fini le jeu. Pouh, ça c'était classe. Donc voilà les amis, on a fini le jeu. Je trouvais ça un peu court, j'avoue que c'était pas du tout à quoi je m'attendais vers la fin. Mais on l'a fait ensemble. En tout cas, j'espère que cette série et ce let's play vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres, je compte en faire parce que moi j'aime beaucoup faire ce genre de jeu. Et je vous prévois par la suite le DLC que j'ai déjà, donc que je vous prévois là dans pas longtemps. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, si vous avez aimé cette série, lâchez un gros pouce bleu pour me faire plaisir. Et si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis tchuss tout le monde.